La notion d'économie sociale a été inventée pour la première fois par Chateaubriand en 1802 et après on la voit employée par des auteurs très différents tout au long du 19e siècle, qu'ils soient libéraux, qu'ils soient socialistes, qu'ils soient catholiques ou qu'ils soient proches de ce qu'il y aura à la fin du 19e siècle, le solidarisme, c'est-à-dire ce qui donne naissance au parti radical. Et l'économie sociale, c'est une façon de concevoir l'économie autre que faire du profit. Alors maintenant, si j'envoie à une définition extrêmement contemporaine, je partirai de la loi de 2014 sur l'économie sociale, qui définit à partir de 3 points. Premièrement, elle repose sur ces mouvements historiques que sont la mutualité, les associations et le mouvement et les coopératives ou le mouvement coopératif, auquel il faut ajouter, mais c'est beaucoup plus tardif, l'apparition des fondations, mais elle n'arrive qu'en 1900, dans les années 80 dans le paysage, 1980 donc beaucoup plus tard, donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que l'économie sociale en principe n'est pas destinée à faire du profit, mais à avoir une utilité sociale, une utilité publique. Et troisièmement, l'économie sociale se définit par un mode de gouvernance qui est un mode de gouvernance démocratique. Donc on est entre à la fois, on est ailleurs que dans ce qu'on pourrait appeler le capitalisme, qui sert d'abord à faire du profit et sur lequel sont développées toutes nos sociétés industrielles depuis le 19e siècle, et on est aussi en dehors du tout État, le socialisme ou le collectivisme, comme vous voudrez l'appeler. Là encore, cette notion évidemment pourrait développer, mais l'économie sociale, c'est à la fois le refus du capitalisme et le refus du tout État. Que l'enfant vienne à moi, le cœur plein d'idéal. De mon œuvre, il sera la belle pépinière, de l'arbre au rameau vert du bonheur social. Enfin, je fais appel à la classe ouvrière, à l'humble travailleur de bonne volonté. Hommes, femmes, enfants vivront sous la bannière où flamboieront ces mots, la solidarité. La solidarité, la solidarité, la solidarité, la solidarité. Ces valeurs, c'est quoi? La liberté, ce sont le militantisme, le fait qu'un grand nombre d'hommes, et beaucoup moins de femmes malheureusement, se sont investis de cette façon dans ces mouvements, dans ces associations, dans ces coopératives, dans ces mutuelles. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire ici que le militantisme, ce n'est pas seulement le militantisme ouvrier. Le militantisme ouvrier, Dieu sait si je suis attaché, j'ai beaucoup travaillé. Mais le militantisme, ça peut aussi être le militantisme des notables, des catholiques, des personnages de province, des républicains, de toutes sortes, qui agissent en fonction d'un idéal, en fonction de leur idéal, dont on peut évidemment discuter, mais en fonction d'un idéal, et qui agissent non dans un but de profit. Ça, c'est vraiment très important, c'est-à-dire que toutes nos sociétés, le poids du profit est très important, et les mouvements d'économie sociale se sont d'abord construits en réaction au capitalisme, c'est une réaction au capitalisme, aussi bien les associations que les coopératives que les mutuelles, pour répondre d'abord à des besoins immédiats ou des besoins à plus long terme qui se posaient dans la mesure où la révolution industrielle changeait considérablement le mode de vie des uns et des autres et créait de nouveaux besoins, et c'est à ces nouveaux besoins que l'économie sociale, les mouvements d'économie sociale s'efforçaient de répondre. J'ajoute une chose qui est très importante, et on y reviendra sans doute, c'est le fait que ces mouvements ont pris leur essor, ont commencé à se développer, se sont développés à un moment où l'État intervient très peu dans l'économique et le social. En effet, pourquoi ? J'ai dit que tout ça commence en réaction au début de la révolution industrielle, donc vers les années 1830. Or, à cette époque, il faudra attendre jusqu'à la fin du 19e siècle, l'État n'intervient pratiquement pas dans l'économie et le social. Par exemple, il n'y a aucune sécurité sociale, il n'y a pas de législation du travail, toutes choses qui vont commencer à être inventées, mises en pratique, mises en place à partir du 19e siècle. Donc, ça pose la question de l'État, et de ce point de vue, l'intervention des mouvements d'économie sociale s'est faite bien avant l'intervention de l'État. Près d'un assuré social sur deux adhère à une mutuelle. Il y a 20 millions de mutualistes en France. Dans l'idéal, et c'était vrai il y a quelques années, la mutuelle remboursait ce que la sécurité sociale ne remboursait pas. Quand la sécurité sociale payait 80, la mutuelle payait 20 sur les tarifs conventionnés, bien sûr. Depuis quelques années, il reste souvent quelque chose à payer par le patient, qui est en même temps assuré social et mutualiste. Qu'en sera-t-il avec les nouvelles mesures prévues, c'est-à-dire le remboursement réduit de moitié des médicaments dits de confort par la sécurité sociale? Chaque mutuelle est libre de fixer ses conditions de remboursement comme elle l'entend. Toutefois, le président de la mutualité française, qui regroupe 9000 mutuelles en France, est catégorique. Elle va rembourser exactement la même somme qu'elle remboursait auparavant, c'est-à-dire qu'il restera effectivement une somme plus importante à la charge des assurés. C'est une consigne qui sera très vraisemblablement suivie. La mutualité a la volonté de ne pas se substituer à la sécurité sociale. Elle ne veut jouer qu'un rôle complémentaire. L'histoire de la mutualité commence avec la Révolution française, puisque les premières sociétés de secours mutuels apparaissent à peu près à la veille de la Révolution française. Mais elles ne sont qu'un tout petit nombre dans une France extrêmement rurale, elles se développent surtout en milieu urbain. Elles vont passer la Révolution, passer l'Empire, elles vont se développer beaucoup avec la Révolution industrielle en remplissant une double fonction. Fonction dans la mesure où elles assurent un minimum de besoins sociaux à un moment où l'État ne fait rien, encore une fois, ou pratiquement rien. Et par ailleurs, les syndicats, rappelons-le, sont interdits à la suite de la loi de Chapelier. Ces sociétés remplissent une fonction parfois de syndicat dans l'aide, en quelque sorte. Et puis Napoléon III va changer tout ça, puisqu'il va instaurer ce qu'on appelle parfois une mutualité impériale, en séparant complètement les actions de gestion du social et les actions de revendication. Et dès lors, on aura en France un fossé jusqu'au début de la Ve République entre mutualisme et syndicalisme. Et dès lors, la mutualité va se développer. C'était un mouvement social très important, puisqu'en 1914, il y a 10 fois plus de mutualistes que de syndicalistes en France. Ce qu'on oublie généralement, ce qu'on passe sous là, 10 fois plus, c'est vraiment considérable. À partir du moment où l'État commence à intervenir dans le social, la mutualité devra en tenir compte, devra apprendre à composer avec l'État. Ce ne sera pas facile, elle le fera s'il se passera en 3 étapes. Une première loi est votée en 1910 qui commence à généraliser les retraites. On pensait que ça toucherait 1 million de personnes. Ça en a touché, mettons, 2,5 millions, soyons généreux. Une deuxième étape est franchie dans la mesure où l'État intervient plus activement en 1930 avec les assurances sociales. Mais on a abouti à une sorte d'équilibre, de consensus sur le fait qu'il y a plus d'État. Mais syndicalistes, mutualistes et patrons peuvent créer leur caisse d'assurance sociale, et de fait ce seront des mutualistes parce que ce sont les plus nombreux, parce que ce sont les plus puissants, parce que ceux qui savent mieux faire, qui s'emparent complètement du système. Et puis la sécurité sociale et libération parachèvera ça. Alors c'est un moment difficile pour la mutualité parce qu'elle a craint, à un moment, ça n'a pas duré longtemps, qu'elle allait complètement disparaître. Puis vous savez, il y avait 15 millions de mutualistes à la Libération, et le gouvernement qui voulait élargir la sécurité sociale à certaines professions qui n'avaient pas, telles que les enseignants, les fonctionnaires, etc., a, suite d'un accord, demandé à la mutualité qu'elle reconnaisse la sécurité sociale, mais qu'en échange, cette dernière obtiendrait le droit de gérer, ce qu'elle fait encore, ses propres caisses de sécurité sociale. Et dès lors, la mutualité a eu un rôle complémentaire par rapport à la sécurité sociale, c'est-à-dire qu'elle gère la sécurité sociale et elle gère aussi un certain nombre de domaines sur lesquels la sécurité sociale peut ne pas intervenir. Elle s'adapte aux évolutions de la sécurité sociale, elle s'adapte aussi, elle doit le faire, aux évolutions nécessitées par la construction européenne qui ne sont pas simples pour elle, dans la mesure où l'accent est mis à Bruxelles quand même beaucoup sur on privilégie les assurances, les compagnies d'assurance, etc., mais on permet beaucoup moins aux mutuelles, aux coopératives de s'organiser, de se développer, et là il y a vraiment un problème qui n'est pas simple pour les mutuelles. Société coopérative ouvrière provençale que 58 coopérateurs et 76 salariés surnommés des Fralib, pendant la lutte, vont relancer une production sur le site de Gémenos. C'est une société coopérative ouvrière provençale de thé et infusion. Donc voilà, aujourd'hui on est 59 coopérateurs et 41 salariés. Et on fonctionne le plus démocratiquement possible et les décisions se prennent en assemblée générale par vote. Et donc on essaye de fonctionner dans un autre état d'esprit que ce qu'on fonctionnait avec une Unilever dans une entreprise capitaliste. Ouais, le combat continue. Celui-là il est différent du combat syndical qu'on a mené. Là on mène un combat où est-ce qu'on n'est pas... On n'a pas l'habitude, quoi. Nous, on mène les combats syndicaux, on lutte syndicalement parlant, on sait faire politiquement aussi, mais pour ce qui est du capitalisme, de mettre les pieds dedans dans ce système de la grande distribution, dans le système où est-ce que les gens ils font de l'argent pour gaver des actionnaires, nous on ne connaît pas. L'idée c'est de faire en sorte qu'on puisse arriver à l'équilibre au niveau zéro et quand on arrive en fin d'année, on a payé tout le monde, on ne doit rien à personne, on est content. On n'a pas des actionnaires qui vont venir nous ponctionner les richesses qu'on va créer. Les SCOP, c'est-à-dire Sociétés coopératives ouvrières de production, sont une branche ancienne de la coopération, puisque les coopératives ouvrières de production, on commence à réfléchir à cela à partir des années 1840. Il faut attendre la fin du 19e siècle pour que, là encore, on le voit pour tous les partis, on le voit pour toutes les mutuelles, on le voit pour toutes les coopératives, elles commencent à s'organiser à l'échelon national. Ceci dit, les coopératives ouvrières de production ont été pendant longtemps une branche minoritaire. Je ne donnerai qu'un chiffre, en 1914, ce sont 20 000 coopérateurs à peu près, ce qui par rapport aux 5 millions de salariés est effectivement très faible. Mais ce mouvement s'est développé, ce mouvement s'est modernisé. On a actuellement les coopératives ouvrières de production, c'est au moins 40 000 personnes. Elles se sont ouvertes à des professions libérales, intellectuelles, etc. Et par ailleurs, les coopératives ouvrières de production ont été, dans les années 70, mais aussi dans les années 30, période de crise, un moyen pour les salariés de reprendre leur entreprise, parfois en faillite. On le voit dans les années 30, période difficile, on le voit dans les années 80, d'ailleurs la gauche en pouvoir en 1980 a encouragé ce processus, ça l'a un peu aidé, mais c'est resté secondaire. Donc un mouvement ancien, un mouvement minoritaire, mais un mouvement dynamique, un mouvement qui se diffuse largement. On a quelque chose de plus moderne et qui connaît un certain avenir actuellement. C'est au rez-de-chaussée d'un immeuble de la rue de la Ferme à Saint-Denis, en banlieue parisienne, que s'est ouvert Dionycoop, une épicerie coopérative. Ouverte par des militants de l'éducation populaire, cette épicerie solidaire tranche dans un paysage urbain saturé par les supermarchés à bas prix. Samedi 16 mai, la commune de Saint-Denis inaugurait sa première épicerie coopérative Dionycoop. Une épicerie autogérée par ses clients, permettant ainsi de bénéficier de prix attractifs sur des produits de qualité, mais aussi une alternative à la grande distribution qui monopolise le marché de l'alimentation. Les prix sont au prix coûtant, il n'y a pas de marge, puisqu'on est tous bénévoles ici, chacun fait, assure les différentes tâches, les commandes, les rangements, voilà. Les coopératives de consommation ont été pendant longtemps la principale branche du mouvement coopératif. Elles sont apparues, là encore, dans les années 1830-1840, parce qu'il fallait répondre à un problème quotidien, l'alimentation, qui s'opposait aux milieux les plus modestes. Et puis ce mouvement a connu un fort développement à la fin du 19e siècle. Je ne prendrai qu'un exemple, celui de la Bellevilloise, qui était un peu la coopérative emblématique de la région parisienne, et qui d'ailleurs... a disparu après avoir été prise par le Parti communiste dans les années 20, disparaît très curieusement à la veille du Front populaire et le Parti communiste ne lève pas le petit doigt pour la sauver. Bon. J'en reviens au mouvement, c'est un mouvement très important puisqu'en 1914, il y a à peu près autant de coopérateurs en France que de mutualistes. C'est un mouvement considérable, qui est affilié à une internationale, il se rapproche du mouvement socialiste et pendant... on le verra jusqu'à la libération et même un peu après, le Parti socialiste s'appuyait du moins l'espérait-il, sur le parti, le syndicat et aussi la coopérative de consommation. Passé l'époque de la Seconde Guerre qui est difficile, la coopération reprend sa marche en avant. Il y a près de 4 millions de coopérateurs et plus dans les années 50. Il y a eu un processus de regroupement, de concentration, avec des coopératives très fortes, en particulier dans la région parisienne, dans le nord et dans l'est, moins dans le midi. C'est un peu un colosse au pied d'argile. Elle va subir une crise extrêmement grave dans les années 85-86. Elle ne sait pas s'adapter aux évolutions du marché, aux évolutions des grandes surfaces, aux évolutions du commerce et notamment ces sections les plus bureaucratisées connaissent vraiment un déficit, une crise extrêmement profonde qui était peu étudiée dans le mouvement coopératif. On garde un mauvais souvenir de ça. On n'en parle pas beaucoup. On a pu sauver un certain nombre de choses, mais bon, disons que le mouvement coopératif de consommation aujourd'hui, c'est 2 dixièmes, 3 dixièmes à peu près de ce que c'était dans les années 80, qui repart de façon beaucoup plus décentralisée, régionale, et bon, ça se veut d'ailleurs tout à fait en phase avec l'économie sociale, qui se veut aussi régionale, fédérative, décentralisée et pas du tout centralisée. Le refus des acteurs associatifs de coopérer à des dispositifs qui lient l'hébergement à l'éloignement forcé n'est pas une posture, Monsieur le Président. C'est l'expression d'un sérieux malaise devant les conséquences inhumaines de la politique migratoire menée en votre nom. Cessez de taxer d'angélisme ou de naïveté des associations ou des citoyens qui se mobilisent partout en France par solidarité et qui réclame une politique digne de ce nom, une politique d'accueil à la hauteur des défis migratoires d'aujourd'hui. Pour eux, pour nous, c'est une question de dignité, c'est une question d'humanité, c'est un enjeu de société. Entendez-nous, Monsieur le Président. L'histoire des associations a été particulièrement compliquée à traiter et à mon avis ce sera tout à fait à approfondir. Quand on pense aux associations, on pense évidemment à la loi 1901 qui permet les associations. Sauf que les associations, ce sont des réalités très différentes. Donc je vais commencer par éliminer les associations qui ont un but politique. Un certain nombre de partis politiques ont été fondés à l'origine par des associations. Je pense par exemple au Parti radical. De Léon Bourgeois. J'écarterai aussi les associations qui sont à l'origine des syndicats. En 1901, il y a en France 45 000 associations, mais si j'élimine les deux dans les deux groupes dont je viens de parler, il reste à peu près la moitié. Et moi, ce qui m'intéresse, ce sont les associations qui prennent en charge le social, la pauvreté. Encore une fois, à l'époque, on est à la fin du 19e siècle ou au début du 20e, à une époque où l'État fait encore extrêmement peu. Ces associations sont en majorité des associations catholiques. Elles essaient de se coordonner, par exemple, au sein d'un organisme qui s'appelle l'Office central des œuvres de bienfaisance, dont je parle dans mon livre, qui est créé en même temps que le musée social et qui fusionnera d'ailleurs beaucoup plus tard avec lui, mais c'est une autre histoire. Et ces associations sont très diverses, en majorité catholiques, un peu protestantes, un peu juives, à quelques-unes laïques. Et puis elles vont continuer, elles vont se développer à partir des années 30, elles vont se laïciser lentement, elles vont se professionnaliser lentement, et on en retrouve un certain nombre à la Libération qui s'organisent à un échelon supérieur dans la mesure où elles reconnaissent la sécurité sociale, mais elles veulent continuer d'exister face à la sécurité sociale dans la mesure où cette dernière ne peut pas tout organiser, ne peut pas tout prendre en charge. Et puis, il va se passer quelque chose de nouveau, c'est que à partir des années 60, on assiste à une multiplication, une explosion du nombre des associations de toute nature, mais aussi celle-là. Et ce milieu qui n'avait pas été du tout organisé, alors c'est beaucoup plus compliqué à étudier parce que les mutuelles, bon, il y a des grands porte-parole, les coopératives aussi, les associations, pas du tout. Et il faut attendre en fait l'arrivée de la gauche au pouvoir, là encore en 1980, pour que les associations commencent à se structurer, commencent à s'organiser, et elles continuent à jouer un rôle très important dans l'économie sociale ou sociale, ou c'est hier, je n'entre pas dans le débat aujourd'hui, dans la mesure où elles prennent en charge, elles continuent à prendre en charge les problèmes de pauvreté, les problèmes de gestion du social, et Dieu sait s'ils sont nombreux aujourd'hui. L'histoire de la Nef, c'est d'abord un groupe de gens qui constituent une association qui s'appelle la Nouvelle Économie Fraternelle. On est dans les années 70. Nous exerçons un métier de banque et nous sommes, nous, à la recherche de tout ce qui va porter une valeur ajoutée qu'on appelle sociale, culturelle, environnementale, territoriale. Tout ce qui peut concourir à, on appelle ça dans notre jargon, une transition vers un monde plus respectueux de l'homme et de la planète. J'aimerais qu'on s'attarde sur le mot fraternel. Vous entendez fraternel par liberté, égalité, fraternité ou fraternel maçonnique? Écoutez, je ne sais pas très bien ce que veut dire le fraternel maçonnique, mais on va dire que je l'imagine. Et donc vraisemblablement plutôt dans une acception comparable. La Nef, elle s'ancre vraiment dans la grande tradition humaniste. Donc j'imagine que ça doit être proche de la tradition que vous évoquez. Dans le discours officiel, on ne fait pas de politique, on n'a pas de religion, on est neutre, etc. Bon, très bien, ça c'est le discours officiel. Dans la réalité, il en va complètement différemment. En gros, pour aller extrêmement vite, les associations du début du siècle, aux années 1960, le poids du religieux a été considérable. Et, bon, moindre, mais c'était de loin le plus important. Bon, en ce qui concerne la mutualité et la coopération, on irait plutôt sur l'autre versant, on irait plutôt voir du côté de la franc-maçonnerie. Je ne prends qu'un exemple. Le premier responsable de la Fédération nationale des coopératives de consommation, qui est l'organisation nationale créée en 1912, est un socialiste, c'est aussi un franc-maçon, il s'appelle Ernest Poisson. Deuxième exemple, je prends les présidents de la Fédération nationale de la mutualité française, donc le porte-parole en quelque sorte des organisations mutualistes. Eh bien, tous les présidents jusqu'à une époque récente, et bon, là je ne sais pas, mais bon, en tout cas j'ai la certitude, de 1902, date de création de cette organisation, à les années 1980, ont été francs-maçons. Bon. Loin de moi l'idée d'expliquer ça par une forme de complotisme, la franc-maçonnerie qui tirait la ficelle, etc. J'ai horreur de ça, je n'y crois pas un mot. Je dis simplement, ces imprégnations ont été très fortes, et un de mes grands regrets d'ailleurs de ne pas avoir dirigé de thèse, parce qu'on m'a posé la question dans je ne sais combien de conférences, et la franc-maçonnerie et tout ça. Et je dis, chaque fois, la franc-maçonnerie c'est important, mais bon, il faudrait évidemment mesurer ça de beaucoup plus près. Ça fait partie des sujets sur lesquels il faudrait travailler. Sur le politique maintenant. Là aussi, nos mouvements disent, on n'a rien à voir de politique, on ne sait pas ce que c'est, on est neutre indépendant. Sauf que, on passe son temps à voir dans l'histoire des trois mouvements l'intervention du politique, l'intervention de l'État, tout simplement parce que les problèmes auxquels s'attaquent ces mouvements sont tellement importants qu'on rencontre forcément le politique. Alors quelques exemples, si vous voulez. Napoléon III réorganise complètement la mutualité. La mutualité doit se réorganiser à la Libération parce qu'il y a la sécurité sociale. La coopération est instrumentalisée par l'État et en particulier par un ministre socialiste qui s'appelait Albert Thomas pendant la Première Guerre. Je pourrais multiplier les exemples, et encore une fois, c'est normal, c'est inévitable, dans la mesure où tous les grands problèmes auxquels sont confrontés nos trois mouvements sont des problèmes politiques. On voit dans l'histoire des banques, en particulier, deux banques qui sont importantes, très importantes pour notre sujet, le crédit coopératif et le crédit mutuel, que les influences religieuses sont extrêmement fortes. Pour aller extrêmement vite, le crédit mutuel, imprégnation d'abord catholique, le crédit coopératif, imprégnation d'abord franc-maçonne, encore une fois je schématise outrageusement, on voit encore que ces imprégnations font échouer des projets de rapprochement encore des années 60, donc bon, alors que c'est une histoire qui remonte assez loin. Les trois exploitations ont une production de veaux de boucherie, donc avec pas mal d'effluents, et qui peuvent engendrer au moment des épandages des nuisances olfactives. Donc, la première réflexion a été là-dessus. La méthanisation permet d'éliminer toute la partie olfactive donc, des produits qui sont épandus par la suite. Et puis aussi c'est un complément, on va dire, à l'agriculture et donc, à la production d'énergie qui aujourd'hui est quelque chose d'important. Il est partagé, il est collectif, donc afin que ça soit amené de la meilleure des façons. Donc, on a pour habitude de se retrouver tous les matins au café, donc pour faire un peu le bilan, de voir s'il y a eu des pannes, et puis aussi établir le programme de la semaine au sein de mes managers. Donc il y en a un qui est toujours de garde, et les autres, et à tour de rôle bien sûr, une semaine sur 6, et après bon, bien sûr des actions plus collectives comme l'ensilage, tout ça. On essaie de mettre tout ça au point pour que ça se passe de la meilleure des façons. Parce qu'on travaille ensemble pour la métallisation, mais plus que ça, plus pour les exploitations. La coopération agricole était très importante et c'était aussi une des branches fondamentales de la coopération. Pourquoi? Tout simplement parce qu'au XIXe siècle, la France était d'abord un pays rural. Je rappelle qu'elle est en majorité jusqu'aux années 30, donc il est normal que des formes de coopération existent dans le monde rural. En gros, c'était aussi un enjeu politique entre réactionnaires, ceux qui combattaient la République et ceux qui la soutenaient, à travers des organisations qui essaient d'organiser la coopération à la campagne et qui sont assez différentes par leur idéologie. Le poids du socialisme, contrairement à ce qu'on dit, est faible, pas existant mais faible. Et on trouvera ces deux formes de coopération républicaine et plus réactionnaire, si vous voulez, jusque sous Vichy. Et évidemment, Vichy, la coopération républicaine est mise à l'écart. Et après, après la guerre, elle va se reproduire, elle se retrouver, se développer dans un contexte assez difficile, mais qui explique en large partie les modernisations des structures agricoles en France. Et je pense au Cuma, je pense... bon. Et donc, le poids de la coopération agricole est fort en France, à partir des années 60, maintenant avec une question, est-ce que, bon, c'est quand même une coopération qui est quand même de plus en plus attirée par la rentabilité, le profit, etc. Et la question qui se pose, est-ce que cette coopération fait encore partie de l'économie sociale? En janvier 82, une cinquantaine de personnes sont licenciées dans une fabrique de meubles à Hagetmau. 14 d'entre elles décident alors de créer leur propre entreprise, toujours dans le meuble, sous forme de coopérative. Quand on a démarré, on ne savait pas du tout si notre projet aboutirait, mais on s'est quand même accroché pour y arriver. Cette jeune femme de 31 ans, c'est Marcel Dessa, le PDG de la SCOP. Elle a été élue. Sur les 14, c'est la seule femme. Auparavant, elle était comptable dans l'entreprise qui venait de fermer. Alors parlons un peu des femmes dans l'économie sociale. Là encore, en distinguant entre les trois mouvements. Alors d'une part, le poids des femmes a été important, des femmes catholiques, je dis bien, dans les associations dès la fin du 19e siècle, parce que c'était aux femmes qui était dévolu le rôle de s'occuper du social, des pauvres, etc., etc. Donc ce point est important, et on le voit d'ailleurs, on le voit même encore davantage pendant la Grande Guerre, où les femmes jouent un rôle très important pour soigner les blessés, les guérir, etc., etc. Dans la mutualité, c'était un long combat. J'ai un peu traité de ça dans un petit ouvrage que j'ai publié il y a une dizaine d'années. Et là encore, il a fallu attendre, parce qu'il y avait beaucoup de préjugés, pas qu'à la mutualité, mais il y en avait aussi là. Il a fallu attendre la fin du 19e siècle pour que, en théorie, je dis bien en théorie, les femmes soient reconnues l'égale des hommes dans les sociétés de secours mutuel. Bon, parce qu'il y a un tas de préjugés, une femme coûte plus cher, elle tombe plus souvent malade, elle est enceinte, enfin bon, tous les défauts possibles et imaginables. Bon. Ce genre de discours tend à disparaître, j'ai bien tend à disparaître vers les années 1900, mais la pratique est beaucoup plus longue. Un seul épisode dans les années 1901, j'ai étudié une société de secours mutuel importante à Paris. Grande révolution en 1904, une femme est admise à son conseil d'administration, voyez-vous. Et en 1914, il y a 15% de femmes au mieux dans les sociétés de secours mutuel. Et bon, les choses vont évoluer. Je prendrai 2 ou 3 exemples. La direction de la FNMF est assurée par une centaine de personnes au sein d'un conseil d'administration. Jusqu'en 1945, il y a environ, j'ai noté environ 350 personnes. Au sein de ces 350 personnes, une femme. Une seule. Et puis les choses évoluent, mais très très lentement, à partir des années 45 et surtout à partir des années 60, on voit un nombre croissant de femmes, mais là encore, bon, la situation est loin d'être égale. Il y a environ, à l'heure actuelle, entre 25 et 30% de femmes au poste de direction de la mutualité. Bon, donc on voit que les choses ont bougé, on voit que l'égalité n'est pas encore obtenue, mais on voit que les choses bougent. On le connaît très mal, la situation des coopératives. Alors, je pourrais citer quelques noms de coopératives, de femmes coopératives anciennes, Alice Jouenne, d'autres encore dans les années 30. Après, c'est un sujet sur lequel il y a complètement à travailler. Là aussi, je regrette de ne plus pouvoir diriger de thèse, parce que quel est le poids des femmes dans les coopératives actuellement? Je ne sais pas. J'ajoute une chose, c'est que par rapport aux formes de militantisme actuelles, très actuelles, on voit d'abord, vous allez voir pourquoi on parle des femmes, on voit d'abord un certain nombre de militants venus des partis politiques ou des syndicats un peu désabusés s'investir dans des associations, des coopératives et mutuelles. Et parmi elles, beaucoup de femmes. Donc il y a une évolution absolument indiscutable qui se produit actuellement, certes qui n'est pas suffisante, mais qui se fait. Les mutuelles sont des acteurs sociaux et économiques de premier plan. Fortes de leurs engagements passés et futurs, fortes de leurs élus et de leurs militants, fortes de leur présence et de leur influence dans les territoires, fortes de leur réalisation sanitaire et sociale. Mais je veux d'emblée dissiper tout malentendu. Lorsque l'on aborde la question de la place et du rôle des mutuelles et au-delà, des organismes complémentaires, certains craignent d'ouvrir un débat sur la privatisation de la sécurité sociale. Notre résolution affirme clairement, permettez-moi d'en citer une phrase, que la solidarité de notre protection sociale repose d'abord sur le régime obligatoire dont la pérennité conditionne le maintien et l'extension de la solidarité mutualiste. De la Grande Guerre aux années 60-70, ce qui va se passer en France, c'est une intervention toujours plus forte de l'État. Et les mouvements d'économie sociale continuent de se développer, mutualités, coopératives et associations continuent de se développer, deviennent de plus en plus puissants, la notion d'économie sociale disparaît complètement. L'économie sociale est à la fois une notion ancienne et une notion récente. Notion ancienne dans la mesure où, avant 14, on parlait déjà d'économie sociale, sauf que ces mouvements, ces associations, ces coopératives, ces mutuelles étaient complètement séparés. Et bon, certains penseurs de l'économie sociale, je pense à Charles de Gilles, je pense à Michel Chanson, expliquaient que, par exemple, les coopérateurs et les mutualistes devaient travailler ensemble. Les coopérateurs s'efforçant de répondre aux besoins du présent, les mutualistes aux besoins de l'avenir, donc unissez-vous. Ils n'ont pas été entendus. Pour diverses raisons, à partir des années 70, les mouvements commencent, et pour la première fois de leur histoire, à travailler ensemble. Ça, c'est tout à fait nouveau et c'est tout à fait fondamental. On assiste à un retour de l'économie sociale. Pourquoi? D'abord parce que des évolutions internes, ensuite parce que, même si c'est venu un peu plus tard, mais je crois que c'est lié, on assiste à un certain recul de l'État et au fait que les mouvements d'économie sociale commencent à se poser la question d'investir des terrains qu'ils délaissent. Et c'est bien la question qui se pose aujourd'hui, avec une question supplémentaire qui s'est posée depuis, comment dirais-je, la fin de du socialisme réel, la fin du camp socialiste des années 89-90, dans la mesure où les mouvements d'économie sociale, à cette époque, étaient quand même très largement investis par des gens de gauche, qui croyaient et qui même, pour certains, avaient un discours extrêmement anticapitaliste, socialiste, etc. Et puis, les choses ont changé, forcément. Notre raison d'attente n'est plus le même depuis les années 89-91, pour combien de temps, je ne sais pas, mais enfin en tout cas c'est ça. Et la question qui se pose aujourd'hui, l'économie sociale peut être vue de deux façons différentes. Et je me garderai bien de dire laquelle est la bonne, et je pense qu'en plus il y a des rapports entre les deux. Ou bien on peut y voir un projet alternatif de société, inspiré pour partie des théories autogestionnaires de la fin des années 70. C'est-à-dire très peu d'État, une organisation décentralisée, à la base, fédérative, au niveau de la région, au niveau de la ville, etc., bon, multipliant les activités. Bon. Ou bien, on peut y voir, et certains le disent, une forme d'occupation de terrains que sont de moins en moins pris en charge par l'État, pour des raisons diverses, n'a pas les moyens, ne veut plus, etc., peut-être que, bon, par exemple, la santé, et on peut se poser la question dans ces cas-là, est-ce que l'économie sociale ne va pas en quelque sorte servir de roue de secours à l'État, faire en sorte qu'elle s'occupe des plus pauvres et des plus démunis? Alors, évidemment, c'est un large débat et dans lequel je me garderai bien d'intervenir, parce que moi-même, je n'en sais rien, mais on peut avoir ces deux lectures, en sachant d'ailleurs qu'elles ne sont pas forcément antagoniques et qu'elles peuvent peut-être se compléter, je ne sais pas. Nous, on représente une association qui s'appelle Ramène ta graine. Et le but de cette association, c'est de porter un projet de ce qu'on appelle un jardin de cocagne, un jardin solidaire, qui est basé sur l'insertion de personnes en difficulté, à travers du maraîchage biologique. Parce qu'on place l'humain d'abord au centre du projet avant l'emploi. Pour l'économie sociale aujourd'hui, ce qui explique son développement, c'est le fait que depuis 30 ans, 40 ans, disons à la fin des années 70, ces mouvements cherchent à agir de façon, c'est-à-dire de façon ensemble, de façon commune. Et ça, c'est complètement nouveau. Parce que dans toute l'histoire qui précède, l'histoire ô combien complexe de ces mouvements, chacun pour soi et Dieu pour tous, si vous me permettez. Il n'y a aucun rapport entre les uns et les autres. Ça peut paraître étonnant, mais c'est comme ça. Ils se connaissent, mais bon, chacun agit différemment. Au contraire, à partir des années 70, à la fin des années 70, on assiste à un rapprochement. Alors évidemment, les choses sont extrêmement compliquées, je n'entre pas dans les détails, mais il existe quand même ce tronc commun. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, je pense que dans une certaine mesure, c'est une réponse à ce recul de l'État, d'investissement de l'État dans l'économie et dans le social, auquel nous assistons depuis à peu près la même période, qui a été amplifié, je pense, depuis la fin de ce qu'on appelait le modèle socialiste, et qui est encore amplifié actuellement par la construction européenne, qui pour l'instant, je dis bien pour l'instant, privilégie très largement les secteurs marchands, capitalistes, du profit, aux autres. Je ne prends qu'un exemple, c'est l'exemple de la santé. La Commission européenne permet aux compagnies d'assurance de s'organiser à l'échelle européenne, et Dieu sait si elles le font, alors qu'elles ne permettent pas de mutuelles. Ce qui leur pose un tas de problèmes, ce pourquoi elles se mobilisent, elles essaient de changer, etc. Donc beaucoup de difficultés, et je crois qu'un des défis qui va se poser dans les prochaines années, c'est de voir si les mouvements peuvent également s'organiser davantage à l'échelle européenne et mondiale. Ils y pensent, mais ils ont beaucoup de mal à le faire. y a des machines ici, il n'y a que des ventes. Allez, vas-y, Louis, parle. Messieurs, plusieurs employés et ouvriers m'ont chargé de vous faire une proposition. Il s'agirait de fonder une sorte de coopérative constituée par le personnel. Parfaitement. Je suis solennitié. Et s'il y avait une place pour moi, je dirais oui, bien sûr, une coopérative. Pourquoi pas, pourvu que j'ai un petit temps. Eh ben, qu'est-ce que vous disiez? Vous vouliez savoir quelque chose, non? Non. Ah, c'est sûr, mais voilà. Je vous avais un petit renseignement. Comprenez, je ne voudrais pas paraître trop bille vis-à-vis de mon père. Alors dites-moi, au juste, une coopérative, qu'est-ce que c'est?